大家好，我叫艾丽丽，我一前是恐惧学院的学生。我到了2014年，到了广州。我在华南师范大学学习汉语。我希望以后我希望成为汉语老师，我很希望得到我的成绩。距离的生活太美好了，我很希望以后你们也要来广州学习，我等你们。 Bonjour, je m'appelle Aurélie, je viens de l'île de la Réunion. Avant, j'étais étudiante à l'Institut Confucius. En 2014, je suis arrivée à Guangzhou, à l'université de Huanan Shifan Dazhue, donc l'université du sud de la Chine. Je suis venue ici pour améliorer mon niveau de chinois et aussi dans le but de devenir professeure de chinois. Donc j'espère pouvoir atteindre mon objectif parce que le chinois c'est pas facile. Et je veux dire que la vie ici elle est magnifique et j'espère que un jour vous viendrez ici étudier parce que c'est une très belle expérience. Marius。大家好，我叫李欧，我是法国人，我是从纽尼翁岛孔慈学院。 学习汉语，我来中国3个月差不多。 Je m'appelle Marius, je viens de l'île de la Réunion et je suis en Chine depuis 4 mois où j'apprends le chinois. C'est cool, essayez, vous verrez. J'ai un peu perdu le fil de ce qu'on doit dire, mais dans l'idée, étudier en Chine c'est chouette. Peu importe ce qu'on étudie, on est en contact avec beaucoup d'étrangers. En fait, tous les étrangers du monde entier. Ouais. J'ai un pote d'Arabie Saoudite, je lui parle en chinois, il m'explique des caractères chinois, c'est trop cool. Et je lui montre à ma mère aussi, on fait des appels visio où je lui montre, regarde, c'est ça une vraie coréenne. Elle parle comme ça, vas-y, parle coréen. Mais au-delà de ça, le brassage de gens de différents pays, de différentes régions, permet vraiment de rencontrer des gens à toute vitesse. Des gens intéressants, des gens pas intéressants, des gens intelligents, des gens pas intelligents. On fait des bonnes, des mauvaises rencontres. Ah oui. Enfin, c'est comme ça que veulent. Qu'est-ce que je raconte? Je dis de la merde, toi. C'est différent parce que on a des différentes mentalités. Donc c'est pour ça que des fois, on s'entend pas très bien. Mais c'est très rare, c'est très très rare. Sinon, on s'entend tous très bien, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de préjugés et aussi on communique tous dans une même langue, donc le chinois. Comme si que le chinois c'était une langue universelle. Et comme a dit Marius, c'est magnifique parce qu'on rencontre des gens du monde entier. Genre, j'ai rencontré une fille qui venait du Pérou. C'est vraiment l'autre bout du monde. Jamais j'aurais dit qu'un jour je rencontrerais des gens d'Arabie Saoudite, de Pérou, de Colombie, de voilà. Et en étudiant ici à l'université, non seulement on découvre la culture chinoise, mais en plus on découvre la culture de d'autres pays. Donc c'est ça qui est vraiment magnifique. Et puis avec le métissage à la Réunion, on s'intègre partout. C'est ça qui est bien. Quand on regarde tous les étudiants étrangers, on a l'impression de voir des Réunionnais. Les Colombiens, je trouve qu'ils ressemblent à des Créoles. Les Soudanais aussi. Les Soudanais ressemblent un peu à un CAF. Genre les Arabes, le Malbar. Voilà, c'est l'impression. C'est pour ça qu'on ne se sent pas trop dépaysé. Voilà. Et puis bah, là, le fait qu'on a grandi la différence à la Réunion, c'est ça qui nous a beaucoup aidé aussi à s'adapter rapidement. En Chine, voilà. Mais après, au niveau du chinois, c'est difficile, ça, je cache pas. Au niveau des tons, l'écriture, la prononciation, mais ça reste quand même une belle langue et comment dire. Après, je sais pas si tu as quelque chose à dire.
Bah, en fait, tu peux dire que c'est difficile ou pas, mais moi je te crois pas trop parce que dans tous les endroits où on va, tu comprends tout ce que les gens disent. Et quand tu leur réponds, ils comprennent tout ce que tu dis. Oui, mais c'est dur. Donc que tu dises que c'est difficile, tu peux le dire. Non, mais moi, c'est la vérité, hein, c'est dur. Hein. Oui, oui, ça arrive que des fois, on est fatigué. Parce qu'en fait, comme c'est pas notre langue maternelle et aussi. Dans la langue française, on n'est pas habitué à écrire des caractères, à avoir des tons et tout. Donc ça rentre, ça ressort. Et il faut beaucoup centrer, enfin, beaucoup pratiquer. Et des fois, ça fatigue, mais on baisse pas les bras. Voilà. C'est la motivation, l'amour pour la culture chinoise qui fait qu'on est toujours ici, qu'on persiste et qu'on lâche pas notre objectif. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'ai pas mal de choses à dire. Trop de choses. C'est vraiment, il y a trop de choses à dire. Il faut venir, parce que c'est une très très belle expérience. Et moi, j'ai un petit mot à dire, c'est que je remercie beaucoup mes parents, parce que sans eux, j'aurais pas pu être ici. Et Prends ton temps. Ils ont eu confiance en moi, voilà. Ils ont eu confiance en moi et donc ils ont accepté de m'envoyer en Chine. Et franchement, je pense que c'est l'une des plus belles expériences de toute ma vie. Et un merci n'est pas suffisant. Donc je pense que toute ma vie que je serai reconnaissante envers eux. Et Mais la vie en Chine, c'est une bonne idée, oui. Ah oui, la vie en Chine, elle est pas chère. Super. Faire les shopping. Pour manger aussi. Pour voir un autre aussi. Et c'est combien en euros déjà? Je crois qu'il faut 1 euro pour faire ça. Non. 7 yuan pour faire 1 euro. Ouais, t'es, ça fait que. Pour 1 euro, mange de quoi? On va avoir 6 plats. Tu vois, ça va rien. Franchement, c'est un peu gras. C'est un peu gras. Non, il y a de tout. Ah, moi, je trouve des trucs pas gras du tout. Hein. Genre les manteaux, les petits pains briochés à la vapeur, ça coûte 1 kwai. Et avant, ça coûtait moins cher encore. Genre pour 10 kwai, t'en as 10 comme ça fait quoi, 1,20€? Pour 1,20€, t'as quoi à la réunion? T'as rien. De pain au chocolat. Non, c'est vrai, si la vie est pas chère par rapport à Pékin, à Shanghai. Et de toute façon, tu peux marchander. Si tu parles chinois, ils sont impressionnés. Oui, les Chinois, en fait, quand ils voient un étranger, ils pensent qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc forcément, ils jouent là-dessus pour t'arnaquer un peu. Et après, quand tu réponds en chinois, ben là, ils saisissent, en fait. Et voilà, et sinon, c'est vraiment une ville qui est très animée. Ça va être très animé et il y a plein de choses à découvrir. C'est aussi la ville est aussi impressionnante parce qu'il y a de grands immeubles. Et moi, quand je suis arrivée la première fois que je suis arrivée en Chine, ça m'a surpris en fait parce que là je quitte une petite île et là j'arrive, boum, des immeubles, la foule, la pollution. Je suis où là? On est vraiment comme si on était dans un autre univers. Mais on s'y habitue en fait, au fur et à mesure on s'y habitue, voilà. On se sent un peu comme un chinois aussi, non? Je pense, C'est plus comme si j'étais parti étudier à New York. En fait. Oui, c'est vrai, hein. Il y a une certaine ressemblance avec New York aussi. Mm. Mais ici, tout est... Il y a plus d'arbres quand même. Mais ici en fait, tout est facile, hein, Genre, il y a une application qui s'appelle WeChat. Et tout le monde l'utilise ici. C'est un peu comme. À quoi on peut comparer? En fait, je pense qu'on ne peut pas comparer. Le seul truc que WeChat ne fait pas, c'est le café. Oui, avec WeChat, on peut faire des appels vidéo, on peut s'envoyer des messages. On peut également aussi payer. Il suffit juste de rentrer son numéro bancaire. Et tu scannes. Et après, tu payes, voilà, tu peux même aussi commander un taxi, payer, acheter un billet d'avion. Le bus. Mais tu peux faire plein de choses avec, c'est incroyable comment ils ont, ici tout est facile en fait. Ils ont facilité la vie en fait, par exemple, taxi,
la Réunion, tu prends un taxi, c'est dur. Tu attends longtemps, hein. Alors que ici, il y a un taxi tous les minutes. Bah, il en passe tout le temps. Il y a tout le temps, tout, voilà. C'est, voilà. Après le bus, pareil. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Ça va me faire mal de reprendre le minutes. Ouais, voilà. Et quand on rentre à Réunion, on sent la différence, hein. On sent la différence. Ici, partout, c'est connecté. T'as le wifi partout. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Je pense qu'on devrait parler du fait d'étudier ici. Il y a trop de choses à dire. Je sais pas, le brassage culturel est vraiment intéressant en fait. Parce qu'on ne croise pas que des Chinois ici. On se dit qu'on va étudier en Chine, mais on m'a déjà dit privyet, on m'a déjà dit salam. Il y a des gens qui me disent même bonjour dans des langues que je ne comprends pas. Ils pensent que je suis des leurs. C'est cool d'être de La Réunion pour étudier en Chine, c'est particulièrement cool parce qu'on peut venir de partout. Voilà. Personne ne sait d'où on vient. Et bon. Après, quand on dit qu'on est français, les Chinois. Ben bon, vous êtes pas blanc. Mais ça s'explique facilement. Vous n'êtes pas blanc. Alors, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais choquée. Je me disais, comment on peut, 21e siècle, on peut encore dire ça. Et donc, au début, on prend un peu sur la rigolade. Après, au fur et à mesure, on s'y habitue. Mais après, dans une journée, tu peux entendre ça une vingtaine de fois. Donc, après, ça saoule. Donc, on s'énerve un petit peu, mais ça arrive que des fois, on dit à la personne, bah, devine, ou sinon, on ramasse un peu le menton. Par exemple, je dis, bah, l'Inde, parce que faire quoi. Mais après, on prend du recul et on se dit, ben voilà, c'est pas de leur faute, c'est le pays, avant, il était fermé. Et maintenant, ça commence à s'ouvrir petit à petit. Et donc, ils sont pas encore habitués à voir des étrangers qui viennent de quatre coins du monde, en fait. Ils commencent à découvrir. Et je pense que d'ici une vingtaine d'années, trentaine d'années, ils seront habitués. Donc, quand on dira, je viens de France et que la personne est noire, ben, voilà, ça sera normal. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Mm-hmm. Ouais. T'es venu là, ça va? Non, je sais pas. Okay. C'est bon. Bon, ben, bonne année.